toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les high-five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée, tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prêt à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Mer, le soleil, les cocotiers. Oh, c'est trop frais, Hawaï. Ça donne envie de s'installer dans le coin pour toujours. Reste concentré, Mia. On a un match à gagner. Là, vous rêvez. Les Tikids sont invaincus depuis le début de la compétition. Vous n'avez aucune chance contre eux. Oh, n'importe quoi! Qu'est-ce qu'ils ont de tellement spécial, ces Tikids? Ils sont coachés par le grand Rakat. Rakat est un sorcier. Il a des capacités extraordinaires. Mais ça n'existe pas, les sorciers. Bonjour, Lintox. Ouah, tremblez. Le coach des Tikids va nous jeter un sort. Laisse tomber, Léo, t'es lourd. Stella a raison, si j'étais toi, je ne la ramènerais pas trop. T'auras l'air malin quand t'auras été transformé en cochon. Un petit conseil. La plage de l'île est un lieu sacré de la culture maori. Ce que nous appelons un marae. Rakat en est le gardien, alors soyez humble et respectueux. Vous avez compris, les kids? Oui, coach. Vous êtes vraiment trop nuls. Kids, comment ça va? Ça doit être une sorte de haka. C'est une danse rituelle traditionnelle de l'île. Trop fun! Désolée, mais je préfère le disco. Nous vous saluons, valeureux adversaires. Nous sommes sans peur, invincibles et fiers. Rapayakaha, rapayakaha. Bravo, c'était super. Hé, hey, les gars, c'était censé nous faire peur ou nous faire rire? Ça suffit, les garçons. Excusez-les, ils ne sont pas très, évolués. Amana, mana, amana, mana. Que les esprits de l'île vous accordent la victoire. C'est Rakat, le coach des Tikids, le grand sorcier. Amana, mana. La victoire est en vous. Tout ça, c'est juste des trucs bizarres pour nous déstabiliser. Mais moi aussi, hein, j'en fais autant. Ah, bracatapra. Que le grand marshmallow vous donne des super pouvoirs. Léo, ah, arrête, t'es plus drôle là. Tu te moques de nos traditions et tu parles mal, petit insolent. Désormais, tu seras sous l'emprise de la malédiction de la bouche d'égout. Hana Mapanak. Il y a vraiment des gens qui ne respectent rien. Encore un pollueur qui va passer un sale quart d'heure. Il est complètement cinglé, ce vieux. Ah, ah, tu pues du bec. Arrêtez, les gars. Vous me faites quoi, là? Désolé, mais t'as une haleine épouvantable. Tu
Tu es sous l'emprise de la malédiction de la bouche d'égout. Autrement dit, ta bouche est maintenant une bouche d'égout au sens propre. Hein? Mais n'importe quoi! Et là, c'est mieux? Non, c'est pire! Et maintenant, ça va? L'odeur ne veut pas partir. Je peux quand même pas rester comme ça toute ma vie. Peut-être que si tu vas voir Rakat pour t'excuser, il annulera le sort. Très bonne idée. Rakat pardonne facilement, mais uniquement si on est sincère. Je vais pas aller m'excuser alors que c'est un mauvais tour. C'est en buvant un jus de fruits sur la pirogue que j'ai attrapé cette haleine. Léo, le match est dans 2 heures et pour l'instant tu peux pas jouer. Tu vas polluer le terrain, alors va t'excuser. Bon, d'accord. Monsieur, sorcier, Rakat. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. C'est toi qui as eu l'idée de t'excuser? Ben, oui. Enfin non, pas exactement, mais... Alors, je ne peux rien faire pour toi. Désolé. Oh. Elle était nulle, votre idée, nulle. Je savais que je perdais mon temps. Reviens, ce tunnel mène à un terrain sacré, c'est très dangereux. Fichez-moi la paix, j'en ai marre de toutes vos superstitions débiles. Léo, reviens, c'est n'importe quoi. Tu vas où comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? On est bloqué! Bravo, Léo! À cause de toi, on est enfermé! Désolé, Tony! Non! C'est quoi ce terrain sacré? C'est un endroit, disons, un peu spécial. Je ne peux vous en dire plus. Il y a juste à espérer que vos amis arriveront à en sortir à temps. Comment ça? Ben oui, le match a lieu dans 2 heures. S'ils ne sont pas sortis, vous serez obligés de déclarer forfait. Ce serait vraiment dommage. Hein? C'est un rituel initiatique. Seuls les cœurs purs s'en sortent. Oh, c'est super flippant ici. Regardez, c'est peut-être la sortie. Non, je ne crois pas. Nos amis vont devoir franchir un certain nombre d'épreuves qui les feront assurément grandir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On est où, là, maintenant? Mais il y a une issue là-bas. Faut traverser. Attends. Ces dalles ont l'air bizarres. Oh, il faut sécuriser le parcours avant de... Mais non! Suffit d'éviter les dalles brûlantes. Je pars en éclaireur pour voir s'il y a des pièges. Bougez pas! Non! Reviens! Déjà avant, on avait les dalles brûlantes, mais maintenant, on a les balanciers. Vous croyez qu'on va y arriver? On n'a pas le choix, je crois. Ok, j'y vais. Observez ce que je fais. J'y vais. Oh.
statues de Lico et Mecha, les jumeaux bienveillants. Ce sont les gardiens du terrain sacré. C'est votre seule chance de trouver une solution pour aider vos amis à en sortir. Mais on ne peut pas vous en dire plus. On vous en a même déjà trop dit. On y va. On n'a pas le choix. Merci. Allez, à toi, Stella! Je peux pas! Courage! Pas moqué de Rakat, on n'en serait pas là. Eh oui, toute action a des conséquences, ne l'oublie jamais. Visiblement, il s'agit d'une espèce de parcours initiatique. Il va falloir être prudent. Wow, ça grimpe! On s'approche du sommet. On a dû grimper d'au moins 300 mètres. Oh! Hein? Léo, ta bouche! Oh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait qu'il faut remplir le panier pour faire contrepoids et permettre au pont de se lever jusqu'à nous. Eh bien alors, au boulot! C'était quoi ces bruits? Quel bruit? J'ai rien entendu. Peut-être que t'imagines des trucs parce que t'as peur. Oh, n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai peur. On va être à court de munitions. On fait quoi maintenant? On improvise. Non, Rudy, attends, c'est trop dangereux. Rudy, non! C'est bon, le pont est solide. Rudy, tu mérites que je te tire les oreilles. Tu penses que c'était quoi le truc qu'on a entendu? Un alien? Un monstre? Tu crois qu'il nous suit encore? Mais y avait rien! Arrête d'inventer n'importe quoi! Regarde, les jumeaux bienveillants! C'est trop beau! Mais si, tu voyais quelque chose? Au secours, à l'aide! On va se faire dévorer! Viens, on va se planquer là-dedans! Vous avez vu ces dessins? Ils montrent un jeu de ballon Maui. Les joueurs doivent passer des rangées de statues. Très bien, j'y vais. Non! Impossible de passer. Je crois que cette épreuve se joue obligatoirement avec un ballon. C'est pour ça que les statues empêchent Tony de passer. J'avais raison! D'après les dessins, il faut jouer en équipe et se passer le ballon. Venez! De statue! Tony, passe! Vite, Rudy, la balle!
Tu sembles deviner ce qu'on va faire. Il va falloir être plus rapide et plus malin. On n'est pas sorti de l'auberge. À ton avis, c'est quoi cette bestiole? Une sorte de loup-garou hawaïen? Oh, peut-être une chauve-souris? Tu veux pas arrêter de jacasser? Ton imagination, elle me fait peur! Oh, c'est peut-être un vampire! Un cochon? Ouais, un cochon photographe! On y est presque! On continue comme avant. Rapidité, feinte, passe à l'aveugle. Viens par ici. Où tu l'as trouvé, ton appareil photo, hein? Tu l'as volé à un touriste. Burke! Ferme la bouche, Léo. T'as entendu? Ouais, on aurait dit Stella. Ça venait de là. Oh, c'est répugnant. C'est la voix de Mike. Mike, c'est toi? Oui, je suis avec Mia. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Qu'est-ce qui se passe? Faites demi-tour. Je passe le relais à Mia. Elle est plus forte que moi en papotage. Je sais pas ce que vous pensez de la mode hawaïenne, mais franchement, ça manque un peu de variété. Sa voix vient de la gauche. Les chemises et les bermudas à fleurs, c'est quand même un peu ringard. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh, je vous ai posé une question, là. C'est pas vrai. Je suis la seule à avoir du goût ici. Non, Mia, tu as raison. C'est ringard comme tout. Mais je crois... qu'on a trouvé la sortie. Content de vous revoir, les amis. Merci pour ton aide, Mia. Allez, pas une seconde à perdre. On a un match à jouer. Tony, tes amis et toi êtes venus à bout des épreuves ancestrales des guerriers hawaïens en moins de 2 heures. Les Tikis ont mis 3 fois plus de temps la première fois. Félicitations. Eh bien, je crois que si Mia et Mike ne s'étaient pas trouvés au bon endroit au bon moment, on y serait encore. Oui, ça a été un vrai coup de chance. Surtout que lorsqu'on fait le parcours d'initiation, toute aide extérieure est interdite. Pas vrai, Kimo? Monsieur Rakat, je suis vraiment désolée de vous avoir manqué de respect. À vous, Yuki Kid, j'ai été nulle, je vous demande pardon. C'est bien, cette fois-ci tu es sincère. Super, alors vous allez lever le sort? C'est inutile, un simple brossage de dents suffira, mais pas l'eau de mer. Quoi? C'est tout? Oh,
carton. Ouais. C'est pas encore perdu. Oh, tu parles. T'as vu à quelle vitesse ils déplacent leurs murs? On dirait qu'ils ont des ressorts sous leurs semelles. C'est vrai. Et ça vous rappelle rien? Si. Notre dernière épreuve, celle avec les statues. Et comment on avait fait pour battre les statues? Rapidité, feinte, passe à l'aveugle. Exact. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. High five. Toujours deux. Vous avez réussi à déjouer le mur des Tiki une deuxième fois. Vous êtes des vrais guerriers hawaïens à présent. Hé, hey, pas cool. Infâme personnage, il se croit tout permis. Hé, hey, les High Five, ça vous dirait une balade en pirogue? Oh, oh ouais, génial. Panapaka, lock. Ne vous inquiétez pas. D'ici une heure, ce touriste irrespectueux aura retrouvé son apparence normale. Maintenant, on sait pourquoi le cochon avait un appareil photo autour du cou.